Le grand voyage de Monsieur Caca, de Angèle Delaunoy et Marie La France. Tu choisis un aliment. Oh, la belle petite pomme rouge, que c'est bon de la croquer. Tu portes les aliments à ta bouche et tu les mélanges avec ta salive. Allez, les dents, au travail. Les miettes d'aliments passent dans ta gorge. Tout ce que tu manges descend dans un long tuyau, ton œsophage. Glouc, glouc. N'avale pas trop vite, sinon tu vas t'étouffer. Les aliments arrivent dans ton estomac. Tout ce que tu manges, il doit le digérer. Couic, couic. Attention tout le monde, on va brasser les légumes. Des acides et des enzymes modifient la texture des aliments. Pssst, pssst, c'est l'usine. Tout est transformé en bouillie. Ton foie fabrique de la bile qui aide la digestion. Bring, bring. Allô le foie? On a besoin d'aide. La bouillie descend dans ton intestin grêle et peut y rester plusieurs jours. Encore un tuyau. Il est super long, celui-là. Les globules rouges de ton sang viennent chercher dans la bouillie tout ce qu'il faut pour que tu restes en bonne santé. Mais c'est un vrai supermarché ici. Tout le monde vient faire ses provisions. Les déchets qui ne sont pas utiles à ton corps se transforment petit à petit en crotte. Bof, bof. Il ne reste presque plus rien de la pomme. Des muscles spéciaux poussent les crottes dans le gros intestin et ensuite vers l'anus. Ça ne sent pas la rose par ici. Terminus ! Tout le monde descend ! Par ici la sortie ! Chaque fois, c'est pareil. Dès que tu manges quelque chose, le grand voyage de Monsieur Caca recommence. Popom, popom. Et si je mangeais une autre pomme? J'espère que l'histoire du grand voyage de Monsieur Caca t'a plu. À bientôt !